Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation de mes Visa Chrono Majorette et BX4TC Majorette. C'est deux moules que je possède en très faible quantité, mais il n'y a pas eu beaucoup de variantes, donc c'est pour ça que j'en ai peu. Et on va dire que ces variantes sont compensées par les mages au pub. Voilà. Et j'en profite de vous les présenter tout simplement parce que j'en ai eu deux nouvelles récemment, donc une Visa Chrono et une BX. Donc voilà. Nous allons commencer par la présentation des Visa Chrono. D'abord, la plus classique, la plus courante, celle qui était vendue dans le commerce, dans n'importe quel commerce. Avec la déco 4 roues motrices. Celle-ci est dans un état satisfaisant pour son âge. Voilà. Avec une topographie Rallye Terre de Provence sur le capot. Quatre roues motrices et avec un coffre ouvrant. Avec le moule de l'intérieur qu'on peut voir avec des représentations de valises. Voilà. Assez sympa. Châssis métal pour le dessous. Avec la mention Made in France, bien évidemment. Ce sont deux modèles, hein. La BX4TC comme la Visa Chrono, ce sont deux modèles entièrement Made in France. Il n'y a pas eu de production en Thaïlande. D'ailleurs, leur production s'est arrêtée quand il y a eu la délocalisation en Thaïlande, d'ailleurs. Passons à la Majo Pub Ara Service. Je ne sais pas ce que ça signifie Ara Service. Je ne sais même pas si ça existe toujours ou pas. Mais voilà, par rapport aux autres, enfin, le châssis est un peu plus foncé par rapport à celle-ci. Le teint du châssis est un peu plus foncé. Celle-ci est dans un état presque exceptionnel, mis à part quelques manques de peinture ici. La base, c'est la base de la Visa Chrono basique. Sauf qu'il n'y a aucune tempo, sauf la tempo de la publicité. Voilà. Passons à la Crédit Mutuel que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. C'est pareil que l'autre Majo Pub, il y a la publicité sur le capot, Crédit Mutuel, et le reste c'est exactement pareil. Bon, celle-ci est dans un état de jeu, elle a un peu souffert. Voilà. Voilà pour les Visa Chrono. Bon, passons à la BX4TC. Il y a eu plusieurs variantes, mais plusieurs variantes de tempo. J'ai que celle-ci, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'ai trouvé que celle-ci en bon état. Elle a juste un pet ici, mais sinon tout va bien. Pareil, châssis métal, Made in France. Dans un état correct. Déco assez sympathique. Avec le sigle Citroën sur le toit. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs variantes de cette BX. Il y a eu déjà des variantes avec les portes soudées. Ouais, mes portes elles s'ouvrent. Voilà. Il y a des variantes avec des portes soudées. Et les toutes dernières BX à être fabriquées, il y a le total qui disparaît ici. Le total qui disparaît ici. Voilà. Et les toutes premières, moi j'ai une bande bleue, les toutes premières c'est marqué Michelin. Voilà. C'est vraiment. Les variantes de tempo, quoi. Nous allons passer à la Majo Pub que j'ai reçue récemment. Le côté, c'est exactement pareil que la version que je viens de vous présenter. La base est la même. La seule différence, c'est que la tempo sur le capot, c'est marqué Caen, la ville de Caen. Voilà, tout simplement. Cette BX a été faite à la demande de la succursale Citroën Caen et je pense que elle a été faite pour être vendue dans leur concession. Voilà. Ce qui en fait vraiment un produit exclusif de cette concession. Elle est neuve dans son emballage d'origine, jamais déballée. C'est une Made in France évidemment.
Voilà, au niveau du toit, je vois qu'elle a un petit peu souffert du fait des frottements. Mais bon, ça, c'est pas gênant, hein. C'est la vieillesse, hein, j'ai envie de dire. Mais sinon, oui, c'est vraiment une très belle version que j'adore. Voilà. Bon, pour savoir, cette BX, je l'ai eue aux enchères et je l'ai payée 63 € et 60 centimes. Ouais, pour certains ça va paraître cher, mais bon, j'ai envie de dire des miniatures comme ça c'est inestimable parce que c'est hyper rare. Je connaissais pas du tout cette variante avant de l'avoir vue sur eBay, donc il n'y a pas dû en avoir des masses. Et bon, quand qui dit quand dit bah ça a été vendu qu'à Caen, donc j'ai envie de dire à part en Normandie ou à part en Normandie c'est quasi impossible de la trouver, voilà. Et sinon, comme c'est ma première Majo Pub en boîte, enfin, avec ce type de boîte, on peut voir que bah, y a la mention Made in France, qu'elle a été fabriquée à Rieux, la Pape. Et il y a bien le slogan Majo Pub, le véhicule de votre message. Ce qui est vraiment le but d'une majorette pub, quoi. Et avec les mentions comme quoi ça convient pas aux enfants de moins de 3 ans, comme maintenant d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces BX et Visa. Et dites-moi si vous avez d'autres variantes, comme par exemple, je sais que la Visa Chrono existe en jaune ou voilà. Dites-moi quelle variante vous possédez de ces miniatures. Allez, ciao ciao!